est sec, let's go! Salut les filles et garçons, on se retrouve aujourd'hui pour cette dernière déjà séance du bikini avec Sissi. C'était vraiment incroyable ce mois avec vous. On a passé des séances de folie tous ensemble. Il y a eu des milliers de selfies dégoulinantes, des milliers de selfies bikini avec Sissi. Et franchement, vous êtes accrochés jusqu'au bout. Donc félicitations. Aujourd'hui, on va terminer en beauté avec une séance que vous allez adorer, j'en suis sûre. Abs en béton, abs on fire. On va travailler sa sangle abdominale. On va vraiment sculpter ce six-pack à l'approche de l'été. Vous allez tous être canon et canon dans votre maillot de bain. On va attaquer sans plus attendre avec Tini à la régie et surtout on va kiffer, c'est le moment de se faire plaisir aujourd'hui. On y va Tini? Allez, c'est parti les filles de Jean. Yeah. On va démarrer par un classique chez Sissi. Ah oui, gainage classique de face. Ok, on se positionne, deux options au choix, sur les mains, sur les coudes, c'est vraiment selon votre préférence. Donc l'objectif toujours, dernière vidéo, mais je le rappelle quand même, c'est de rétroverser le bassin et de l'aligner entre les épaules et les chevilles. On n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. Bam, comme une planche. Alors c'est pas très sexy, ça te met pas le boutier en valeur. Donc on va passer sur le dos dans 3 secondes pour un lever de buste. Et il m'a coupé la blague. Oh là là. On n'a pas le time ici. On n'est pas ici pour rigoler. Allez, relevez de buste. On est ici pour faire des abs. J'allais dire, vous prenez pas peur si vous voyez votre cul galette. C'est normal. La rétroversion du bassin, c'est pas sexy, mais ça protège votre dos. Allez, relevez de bassin, on déroule, on inspire. On va repasser de face pour un fast spider dans 5 secondes. Ok, on souffle. Je le sens concentré aujourd'hui. Let's go. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, moi, je donne tout pour la dernière. Hein. Hey, je vois ça. Allez, sur les mains, spider, on va croiser aujourd'hui. On engage sangle abdominale, oblique. Allez, on souffle. Let's go. Tu sens déjà tes abs qui brûlent, là. Wouh. Allez, on lâche rien. On va enchaîner sur une chaise renversée. Ok. Dans 5 secondes. Allez, on s'accroche. Ça annonce la couleur directe. Dernier, on se met sur le dos. Chaise renversée, vous connaissez. On descend et on remonte. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de travailler à 360 ses abdos avec des abdos hypopressifs, du gainage, des exercices plus ciblés. On garde son dos plaqué. Allez, on inspire, on souffle. On va enchaîner ensuite sur un bear plank dans 5 secondes. Allez. Let's go. Ok, on se remet de face. Donc là, c'est la chaise renversée, mais pas renversée en fait. Mais ça, par contre, t'as pas les genoux au sol. C'est la même position, mais de face. Allez, et l'objectif de passer de face au dos à chaque fois, c'est que vous allez bouger et ça va vous faire monter la température corporelle et vous allez brûler des calories. Allez, on tient. On va ensuite enchaîner pour un bear plank to plank. Ok, celui-là il va être dur. Dans 3, 2, 1. Ok, on reste dans la position, on s'allonge en planche. Et on revient. Et on repart. Yes, on contrôle, on va pas trop vite, ça sert à rien. Allez. Ouh, ça brûle, ça brûle. Yes. Oh my god, les abs sont on fire. On va repartir sur le dos pour un lever de jambe tendu. Oh, dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, wouh. Hey, aujourd'hui, il fait sacrément chaud les filles de jambes. Je peux vous dire qu'on va dégouliner. Donc on se met sur le dos, jambes tendues, on descend et on remonte. On évite de faire ça et de creuser le dos, c'est trop facile. Plutôt, on descend moins bas, on inspire, on souffle. Ou alors on le fait en mode chaise renversée. Allez. Il est dur celui-là. On va enchaîner ensuite sur les jambes en l'air, main à pied opposé. Donc 3, 2, 1. Ok, donc là, l'objectif, ça va être de venir toucher votre pied opposé. Et de jambes tendues, on y va. C'est parti. On inspire, on souffle. Ouh. Il n'est pas facile celui-là, hein. On essaie de tendre ses jambes au max. Ensuite, on va enchaîner sur un gainage de face in, in, out, out. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Allez,
on se met de face, on bascule, dynamique sur les coudes, in, in, out, out, on rapproche les pieds, on les espace, toujours le bassin en position. Là, vous devez avoir vraiment mal aux abdos. Allez, on inspire, on souffle, on s'accroche. Ensuite, on va repasser sur le dos pour un ciseau, une jambe après l'autre. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Allez, sur le dos, rebascule. On va monter ses jambes. On en descend une. On bloque. Allez. Cette séance, je sens que vous allez l'adorer tout autant que moi. Allez. On s'accroche. Et ensuite, on va enchaîner sur un crunch étoile de mer dans 5, ouh, 4, 3, 2, 1. Ok. Ça tombe bien, on est à la mer. Alors celui-là, il est dur. Ah ouais, ouais. L'étoile de mer, elle n'est pas dans l'eau. On ne gratte pas sur le chrono, ici. On y va. Let's go. On rapproche. On étend. On rapproche. Wouh. Celui-là, il pique. Après Sébastien, le crabe. On a le crunch étoile de mer. On y va en contrôlant le move. Allez. Ensuite, on va enchaîner, ouh, sur des crunchs de côté. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God. On reste sur le même côté. Là, l'objectif, ça va être de rapprocher son coude du genou. Allez. On inspire, on souffle. Et on souffre aussi d'ailleurs. Ouh. Allez, on va changer de côté dans 5 secondes. Ok, on tient. Allez, let's go. Let's go. Ok, l'autre côté. Donc, vous voyez, j'ai mis mon coude au sol. Vous pouvez mettre votre buste complètement allongé. Mais là, vous avez un petit soutien. C'est un petit peu plus facile. Comme c'est une des premières fois où on voit cet exercice, concentrez-vous sur vos sensations. Allez. Allez, plus que 5. On contrôle. 4, 3, 2, 1. Bikini Challenge. Wouh, c'est l'heure, alors Tini. On va partir sur un gainage de face pendant 2 minutes. Gainage de face, 2 minutes. Vous avez entendu les fidgets, là, va falloir se challenger. Je sais que ça vous paraît insurmontable, mais on va y arriver. On se met sur les coudes en position. Allez, top départ dans 2, 1. Bon. Hey, moi j'étais déjà en position, et le c'est mec qui nous gratte 3 secondes. Toi tu feras 2 minutes, 2 minutes 2 toi. Et déjà que c'est long 2 minutes, en plus ils me rajoutent des secondes. Et là je peux vous dire qu'après le premier circuit qu'on a déjà fait, ça va brûler. Vraiment on fait attention à sa position. Si ça devient vraiment trop difficile, posez les genoux mais gardez une position correcte. C'est ultra important, c'est la priorité. On repousse sur ses épaules, on rétroverse son bassin, on protège son dos. Là, vous devez vraiment avoir les abs on fire et vous ne devez pas avoir mal au dos, vous devez avoir mal nulle part. Bon, ça peut chauffer un peu les épaules, ça oui. Et on tient et on tient. Ça va être dur. Hein. 2 minutes, ça va être au mental pour moi aussi. Au pire, n'oubliez pas toujours le genou au sol. Mais on n'en profite pas. Tini, tiens-nous un peu au courant là. Eh bien, il reste 10 secondes pour faire une minute. Combien? Allez, dans 5 secondes, on passe la minute. Et le mec, aujourd'hui, cela pète. Allez, dans 2 secondes. Ok. 1 minute. Wouh. Et je transpire tellement de l'avant-bras que je glisse sur le tapis. Bon, n'oubliez pas, quelques secondes, on prend une grande inspiration et on repart. On s'accroche. Là, je veux voir des beaux selfies. Bikini challenge. Réussi. On tient. Autre option. Monter sur les mains aussi. Moi, je glisse, ça devient très compliqué sur le tapis. C'est tout aussi difficile. Wouh! Allez, au mental! Allez, allez! On tient, on tient, on tient, Tini, combien tient? Il va rester 30 secondes. Ok. N'oubliez pas que le record du monde de la planche, ça se compte en heures. Hein, donc, Ouais, ouais, ouais. Bah, je peux te dire que les minutes, elles sont longues quand même. Hein. Ouh. On est loin du record du monde, les filles. Quel salopard celui-là, quand même. Hein. On peut le dire. Hein. Hein. Je sais pas si c'est 8 heures ou un truc on comme ça. On veut pas savoir. J'ai trop mal. Allez, allez. 10 secondes. Allez, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Bravo les fidgets! Oh my god, ça a été intense! On va pas trop perdre de temps parce qu'on repart pour un petit circuit. Crunch sur le côté droit. Ok!
un petit coup d'eau et on y va. Dès que possible. C'est reparti. On est ready. Crunch sur le côté et on n'a pas de temps à perdre dans cette vidéo. Elle est courte, mais elle est intense. 15 minutes, faut tout donner, hein, parce que si 15 minutes, tu te reposes la moitié du temps, reste plus grand chose. Allez, on inspire, on souffle. Let's go. Yes. On étire au contract. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. On change de côté. Ok, petit twist. Let's go, c'est reparti. On y va. Allez, on allonge, on revient. Yes. On va ensuite repartir sur un crunch étoile. Oh, dans 5, 4, 3, 2, celui-là, 1. Je pense qu'il va traumatiser toute la team de Fidjean. Ils vont plus jamais le voir de la même façon. Cet exercice, il est horrible, mais on y va, on s'accroche. Allez, on fait l'étoile de mer. Elle est belle, celle-là. Est-ce qu'elle est gracieuse, cette étoile elle de mer? Elle est gracieuse, cette étoile de mer. Ça va, alors. Ouh, que ça brûle. Allez, on tient. On s'accroche. Allez, je vois, on tient. Dans la brassière sont de retour. On passe sur des ciseaux, une jambe après l'autre, dans 3, 2, 1. Ok. Oh my god, on s'accroche les filles de gens. C'est dur, on veut des abs, on est là pour ça, alors on tient. Allez, on bloque, on descend, on revient. On respire, on souffle, allez. Ouh. Oh my god. On enchaîne ensuite. On va passer sur un gainage de face, in, in, out, out. Okay. Dans 3, 2, 1. Allez, on lâche rien, on y va au mental. C'est difficile, mais on s'accroche. Allez, on va le faire sur les mains, celui-là. Ça change un peu. Allez, on inspire bien, on souffle. On change de temps en temps l'ordre des pieds si on a envie. C'est pas primordial. On inspire bien, on souffle. On tient. On va repasser sur le dos pour jambes en l'air, mains à pied opposés. En 3, 2, 1. Ok. On se rallonge et on se bouge hein, dans cette séance. Hein, punaise. Allez, on va chercher le pied opposé. On tend les jambes au max. On y va. On va passer ensuite sur des levées de jambes tendues. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ouh, on récupère ses esprits et on y retourne. Jambes tendues, on descend, on remonte. Alors, on évite ça une fois de plus. On plie plutôt ses jambes si nécessaire en mode chaise renversée. Oh my god, je vois les étoiles, les Fidjean, les abdos nous mettent mal aujourd'hui. Allez, on s'accroche, il va rester 3 minutes. Waouh. On va passer en bear plank to plank. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Allez. Franchement, je crois que c'est pire cette séance. Sur les mêmes, pardon. Bear plank to plank. Cette séance est pire que des hits de 30 minutes qu'on a fait par le passé. Qui l'aurait cru? C'est incroyable. Allez, on change de temps en temps. On inspire, on souffle bien, on est focus, on est déterminé. Allez, on va passer en bear plank. Bon, 3 secondes, 2, 1. Allez, bear plank. Allez, allez, allez. Si on arrive à tenir sans poser les genoux, on tient jusqu'au bout. Si vraiment on n'en peut plus, on pose et on remonte, mais on lâche rien. Allez, on tient. Allez, on s'accroche, on est bientôt à la fin. On s'accroche. C'est dur, c'est dur. On lâche rien. On va passer ensuite sur le dos en chaise renversée. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, il reste 2 minutes. Deux minutes de la fin. C'est pas le moment de faiblir. Allez, on tient. Moi, je ferme les yeux. Je prie le dieu du fitness là, en ce moment même. Ça va peut-être nous aider à avoir moins mal et avoir de beaux abdos. Je sens qu'il est avec nous aujourd'hui. Allez, on tient. On inspire, on souffle. Yes. Allez, on va passer en face spider. 3, 2,
1. Ok. On remonte. Spider, spider. On y va, ready. 3, 2, 1, let's go. On envoie. Là, ça commence à être dur. Hein. Je vous le dis, les filles de genre, pour moi aussi, c'est pareil. Mais on y va au mental. On s'accroche, soyez avec moi. Je suis pas là à faire des exos toute seule. Hein. On va ensuite repartir sur le dos pour un lever de buste. Ok. Dans 3, 2, 1. Wouh. Allez, il reste une minute. Allez, dernière minute, dernière ligne droite. On est ready. On s'étire. Et on remonte. On déroule. On étire. Et on revient. Yes. Let's go. Allez, on va ensuite terminer sur un gainage de face. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Dernière ligne droite, c'est le moment de tout donner sur les coudes. On se positionne. Ready. On y va. On lâche rien. Là, c'est du pur bonheur. Les 30 dernières secondes, près de la fin. On tient, on tient, on tient. On rétroverse bien son bassin. On se met pas n'importe comment. C'est pas parce que c'est la fin qu'il faut relâcher sa bonne posture. Allez, on tient un tini. À combien on est? Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Terminé, les filles de genre. Félicitations, vous vous êtes accrochés jusqu'au bout de ce bikini avec Sissi numéro 7. Faites un selfie avec moi si vous me regardez de votre ordinateur. C'est le moment ou jamais. On fait un selfie ensemble, les filles de genre. On se fait une photo tous ensemble. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me fera trop plaisir de me voir avec vous. C'est nos selfies ensemble à nous. Voilà. Par YouTube. Donc en tout cas, j'espère que cette session vraiment vous aura plu. N'hésitez pas à faire et refaire ce BS7 autant de fois que vous le souhaitez. Conservez bien l'e-book qui est toujours téléchargeable gratuitement pour avoir l'intégralité du programme et ne pas refaire parce que je vous vois l'œil de Sauron est là, que vos séances préférées. Donc vraiment, faites le programme en intégralité et surtout rejoignez-nous sur Train Sweat Heat parce que je vous donne un petit indice vite fait, bien fait comme ça pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de cette session et à la fin de ce bikini avec Sissi, un programme de folie. Et Summer arrive sur TSE pour continuer tous ensemble. Alors rejoignez-nous et puis on se retrouve dans un prochain bikini avec Sissi, bien sûr, prochainement. Je vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre partout et je vous fais de très très gros bisous. On remercie Tini à la régie, évidemment. Bravo les filles de genre. Et on vous retrouve très bientôt. Ciao.